Salut à tous, c'est Trunkan, on se retrouve à nouveau dans The Witcher 3 Wild Hunt. Et on va aller dans les égouts d'Oxenfurt parce qu'on a un contrat. Vous savez qu'il y a des prisons de sorcières en ville. Eh, où vous allez? On avait assez de cette chaîne de vie. Exactement. Une bête terrible rôde là-dessous, dans les égouts. Vaut mieux pas y mettre les pieds. Elle a dévoré des dizaines de jours en scène. Plein de combattants courageux sont jamais remontés. S'il y a quelque chose, déjà, il y a un coffre. Poudre spectrale. Bon, c'était pas un coffre, c'était un genre d'étagère nul. C'est pas très grave. Ok. Par contre, ça, c'est un coffre. Une perle, bah merci. Ces entailles ont été faites par une lame, pas par un monstre. Même pas. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Jamie ? Gérald ? Que fais-tu ici ? J'essaie de lui sauver la vie. Aide-moi. Jamie, calme-toi. Il est mort. On doit pouvoir faire quelque chose. Laisse-le. Putain, Jamie ! Tout ça pour rien. Tu as fait tout ce que tu as pu. Merci, Gérald. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'ai perdu ta trace après avoir quitté Vizima. Qu'est-ce que tu deviens ? Pour faire court, j'ai soigné les malades et les blessés, comme toujours. Principalement dans mon dispensaire à Oxenfurt. Mais en Redania, on me demande aussi d'aider l'armée. Je suis curieux d'entendre la version longue. D'accord. Commençons par sortir des égouts, alors. L'armée redanienne t'a forcé à venir patauger ici, ou tu voulais simplement visiter les égouts ? On a reçu nos ordres ce matin. J'étais accompagné d'une escouade entière, mais quelque chose nous a attaqués. Ce soldat... Tu le connaissais bien ? Il s'appelait Knowles. Il partait en permission dans une semaine. C'est fichu. Et pour le reste de son unité aussi. Combien était-il ? Toute une escouade. 6 braves gars. Tous morts. Qu'est-ce qui vous a attaqué ? Tu as pu voir ? Non. J'ai pris mes jambes à mon cou dès qu'il est apparu. C'était énorme. Ça crachait du venin et ça faisait... des bruits de langue. Sûrement pas un nécrophage ou une horde de noyeurs. Non. Cette chose était énorme, mais seule. Quelqu'un lui a lancé une torche. Le monstre l'a complètement ignoré. D'accord. Il ne craint pas le feu. C'est bon à savoir. Pourquoi t'ont-ils dépêché ici ? Enfin, si ce n'est pas une information confidentielle. Il me faut un échantillon de venin provenant de la bête qui rôde dans ces égouts. Elle ne fait pas que tuer ceux qui descendent ici. L'eau de nombreux puits est contaminée. Les gens tombent malades, dont des soldats redaniens. J'ai prévu de tuer la bête. Je t'apporterai un échantillon de son venin ensuite. C'est gentil, mais je préfère t'accompagner. Je prélèverai l'échantillon moi-même. Cette créature est dangereuse. Tu as pu le constater. Ah. Je suis une grande fille, Gérald. Je sais me débrouiller. N'essaie pas de m'en dissuader, je n'en ferai qu'à ma tête. Très bien.
Comme tu voudras. Montre-moi l'endroit où le monstre vous a attaqué. C'est par là. Putain, ça fait plaisir de retrouver Shani. La grille est toute tordue. Quelque chose de gros a frappé dessus, avec beaucoup d'élan. Je l'ai fermée en fuyant. Le monstre a dû la percuter. Content qu'elle ait tenu. Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin. Ça vaut la peine de chercher dehors ? Non. En fait, j'espère juste que le coup du monstre a affaibli un des murs. Comme celui-là, par exemple. Donc un gros monstre qui craint pas le feu, ça fait chier. Parce que moi, j'aime bien jouer avec Igni. Ces entailles ont été faites par une lame. Oui, bien sûr. Pas par un monstre. Des soldats de ton escorte? Oui. Ce sont eux. Verne. Niklas. Les pauvres. Cette bête ne fait pas dans la dentelle, apparemment. Ils m'ont sauvé la vie. Tu les connaissais bien ? Lui, je l'avais rencontré ce matin. Mais j'avais servi avec Verne à la bataille de Dorian. Miklas venait de s'engager. Désolé. Quand tu auras tué la bête, il faudra envoyer quelqu'un récupérer leur corps. Pour les enterrer dignement. Que s'est-il passé au juste ? À notre arrivée ici, Miklas s'est mis à chercher des traces. C'est là que des noyeurs ont attaqué. Les hommes les ont vite mis en pièces, mais Franz a été blessé à la jambe. Je suis restée avec lui pour lui faire un bandage pendant que Nolz montait la garde. La bête a surgi à ce moment. Nolz m'a poussée vers la sortie et s'est jetée sur le monstre. Je me suis retournée et je l'ai vu étendu là, couvert d'une substance visqueuse. J'ai couru jusqu'à lui, puis je l'ai traîné jusqu'où tu nous as trouvés. Où était le monstre ? Miklas et Verne l'avaient attiré loin de nous. Ils l'ont payé très cher. Tu as pu voir ce qui vous a attaqué ? Tout s'est passé si vite. Non, je n'ai fait que l'apercevoir de dos. Mais je peux dire qu'il était énorme et visqueux. Je dois inspecter le coin. L'homme que tu as soigné, il est là. Franz ? Je ne le vois pas. Tu crois que le monstre l'a emmené ? C'est possible. Le monstre s'est sûrement glissé par là. C'est profond. Le niveau inférieur des égouts est fermé depuis des années. Mais Verne, le commandant, avait un pass. Je vais voir si je le trouve. Eh ben c'est parti. Gérald, tu n'es pas blessé ? Je vais bien. Je peux pas descendre par là. Je vais chercher un autre accès. Sois prudente. Ok, putain, mais déjà mon épée en argent elle est déjà en PLS. Thank you.
Vous m'emmerdez. Ça va, je prends pas de dégâts, mais... Ah. C'est marrant, je prends pas de dégâts, d'ailleurs. Ils font si peu mal que ça. Parce que j'ai fait le début du combat sans, sans hirondelle. Hein. Chelou. Encore une pauvre romantique. Elle voulait lever la malédiction d'un prince, mais elle n'a trouvé qu'une mort horrible. Ah oui, c'est pour ça qu'il nous a demandé d'ailleurs. Holgierd. Geralt, tu n'es pas blessé? Je vais bien. Et toi? Comment es-tu arrivé ici? Vern, le commandant, il avait la clé des grilles. Regarde, c'est Franz. Ou plutôt ce qu'il en reste. Quel genre de bête peut faire ça? Ça brûle de noyeur ici. Ça a une importance? Eh bien, ça veut dire que notre monstre ne les attaque pas. Ils ont l'air de s'accommoder de ce qui rôde dans les égouts. Ils sont un peu en symbiose. Intéressant. Quoi donc? Franz s'était blessé à la jambe, c'est ça? Oui, juste au-dessus du genou. Tu avais appliqué quelque chose dessus? Un peu d'alcool, c'est tout. Pourquoi tu me demandes ça? Regarde, il lui manque la moitié de la jambe. Le monstre a dû la ronger. Les autres corps sont intacts, à l'exception des blessures dues au combat. Mmh. Tu veux dire que la bête aime l'alcool? Oui, mélangé à du sang. C'est étrange. Je doute qu'on apprenne autre chose ici. Il faut trouver son antre. Je te suis. Mais d'abord, je vais réparer mon arme. Je vais réparer les deux en vrai. Voilà. Ok. Encore une pauvre romantique. Elle voulait lever la malédiction d'un prince, mais elle n'a trouvé qu'une mort horrible. Chami, attention, regarde-toi. Élixir contre les nécrophages. C'est celui-là. Toujours le dernier. Tu me croiras si tu veux, mais une rumeur parle d'un prince entièrement au crapaud qui errerait dans les égouts d'Oxenfurt. Oui, je sais, ça ressemble à un conte de fées, mais Suzy Dilop jure, c'est grand mort que c'est la vérité, et Maribel confirme. C'est dingue. D'après elle, ce prince serait venu d'un pays lointain pour courtiser je ne sais quelle comtesse, mais son amant, un sorcier jaloux, l'a métamorphosé en crapaud.
On dit que si une jeune fille trouve cette bestiole gluante et l'embrasse, il se retransformera en prince charmant. La suite, on la connaît, un prince est forcément honorable et digne. Il prendra pour femme celle qui l'aura sauvée. Tout ça pour te dire, Ronnie, la prochaine fois que tu feras les marchés d'Oxenfurt, fais un tour dans les égouts, qui sait, tu en ressortiras peut-être fiancé à un prince. Son ami Adelberta. Adelberta, donc. Tu peux prélever ton échantillon ici, Shani. Bien sûr, avec un peu de terre, de gravats et de merde de noyeur. Il me faut un échantillon pur. Dans l'antre, ce serait parfait. J'essaie de t'aider. Hein. Alors, pas assez de corvée, blablabla, sorcière Perrault et fils. Ok, d'accord. C'est bon. Shani, attention, écarte-toi! Voilà. Encore une pauvre romantique. Elle voulait lever la malédiction d'un prince, mais elle n'a trouvé qu'une mort horrible. Pauvre femme, elle a tenté de ressortir, en vain. Un soldat rédanien. Il a dû venir chasser la bête seule. L'idiot. Guinevelle. Il y a des noyeurs morts partout. C'est étrange. Le monstre semblait les tolérer. Tant qu'il ne s'approchait pas trop, je suppose. Des corps putrides, du mucus partout et cette odeur. Ça doit être son antre. C'est frais et humide. La bête vient de passer. Je vais prélever l'échantillon. Tous les tunnels convergent vers ici. Et maintenant ? Je dois attirer la bête. Comment ? On ne sait même pas de quel monstre il s'agit. Mais on sait qu'il aime l'alcool mélangé à du sang. Et j'ai justement de l'alcool sur moi. J'espère que tu ne vas pas te couper ou... Détends-toi, ça ne manque pas de cadavres, je vais en utiliser un. Tu as un échantillon suffisant ? Je l'espère. Mais je voudrais quand même du venin pur une fois que tu auras tué le monstre. Pour distiller un antidote ? Ce sera inutile une fois la bête morte. Détrompe-toi. J'ai des patients qui ont été empoisonnés. Et puis, je pourrais étudier le venin, le tester, voire lui trouver des propriétés intéressantes. Ok. Je vais me mettre au travail. Je doute de t'être utile au combat, mais tu pourras avoir besoin de moi après. Je vais me trouver une cachette. Tu ferais mieux de m'attendre à la surface. Ou chez toi. Mais... Pas de mecs qui tiennent. Attends dans le passage si tu veux, même si ça ne me plaît pas. Mais quand le monstre sera là, cours jusqu'à la surface. Bon, très bien. Regarde-moi, Shani. Promets-moi de ne pas t'emmêler. C'est promis. Bien, maintenant cache-toi. Sois prudent, Geralt.
Eh ben c'est vraiment un crapaud alors. Si t'aimes pas trop le feu en fait. Ok.
Anna Vekar. Kadaraj, Hail Vut. L'humain, on dirait. Je commençais à croire que tu parlerais jamais, sauf peut-être à ton reflet dans le seau de pisse. Mais où suis-je? Sur l'Albatros, ou le Pack Bartolj, comme on dit dans leur langue étrange. En route pour Ophir. Je ne me souviens pas m'être envolé comme marin. Hein? C'est pas le cas. Ils t'ont traîné à bord, apparemment. Tu es leur prince. Ah, c'était bien un prince alors. Oh, le crapaud des égouts. Bon sang. Je peux toujours m'estimer heureux. Ils auraient très bien pu me tuer sur le champ. Ça dépend comment on voit les choses. Je parle un peu aux Firim. Je les ai entendus dire qu'ils étaient en mission. Le roi les avait envoyés retrouver le prince pour lever sa malédiction. Ils ont juré sur leur honneur et celui des 5 dernières générations de leur famille de le ramener sain et sauf. Et moi, je l'ai tué. Génial. Donc, ils doivent croire qu'ils peuvent sauver leur honneur en ramenant l'assassin du prince au roi pour qu'il soit jugé. Au final, il parle plutôt bien Ophiri pour quelqu'un qui connaît un petit peu. J'étais avec une jeune femme, Rousse, un médecin. Ils l'ont capturé aussi. Personne ressemblant à ça. Tu étais seul. Bien, ça veut dire qu'elle a pu s'enfuir et rentrer chez elle, j'espère. On navigue depuis longtemps. Oh, ça fait pas bien longtemps, je crois. D'un autre côté, mais quelle importance d'abord? Eh bien, si on me conduit à la potence, je ne suis pas pressé d'arriver. Moi, j'ai hâte d'être à Ophir. Il paraît qu'ils ont des chevaux sauvages blancs à rayures noires. Ah, j'ai toujours voulu en voir. Ils ne seraient pas plutôt noirs à rayures blanches? Non, les chevaux noirs à rayures blanches se trouvent à Zangwebar. J'en suis sûr. Bah d'accord. Je peux savoir qui tu es. Felipe Calagrande, pour te servir. Larron, receleur professionnel, et guide Oxenfurt, quand j'ai le temps. Et pourquoi es-tu là? Toi aussi, tu as tué un prince. Eh bien, selon eux, j'ai contribué à sa mort. Je leur servais de guide. Je les ai conduits dans les égouts. Mais seulement après que tu aies éventré leur prince. Désolé pour ça. T'y es pour rien. En vérité, j'aurais pu rester à l'auberge pour jouer au Gwent. Je n'avais pas à me vanter de connaître Oxenfurt comme le fond de ma poche. Ah non, pas le Gwent. Tu as déjà tenté de t'évader. Ben, j'ai déployé tout mon charme, mais ça n'a servi à rien. Mon Ophiri doit être rouillé. Le mien est inexistant. Tu vas rester en mer au moins un mois. Je pourrais t'apprendre un peu. Elkal, Orgial. Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous dit de la fermer. Il y a eu un malentendu. Je peux parler à votre capitaine? Elkal Sokan. Galavakar ul Abatakel. Silence, chien. Tu as tué notre prince et tu vas le payer. Gileam Varal, Karaveretene. Si ça n'était que moi, tu serais déjà mort. Revagneram Erakarera. La vengeance ne nous appartient pas, Anna. Laissons-la au roi, il en va de notre honneur. Comment dit-on, conduisez-moi à votre capitaine? Va jaleke ul Egulat. Quoi? Elkal! Valjt. Valjt, Alkeul, Egulat. Elkal, Inkal Avrilkel, Ulkerverenk Aulvinder.
Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a dit de rester tranquille, et que tu seras pendu dans 2 semaines. Super. Laisse tomber, ça sert à rien de leur causer. Ils savent que grogner. Et puis, ils se hérissent, t'as remarqué? Comme ce poisson. C'est quoi déjà son nom? Quelqu'un parle la langue commune à bord? Un mercenaire les accompagne. Il a l'air édianien. C'est lui qui m'a recruté pour les guider dans les égouts. Oh, il y a aussi le mage qui les dirige. Je l'ai entendu parler, mais je doute que l'un ou l'autre te parle. À ta place, je pioncerai au lieu de gaspiller ma salive. Le voyage va être long. Ce n'est pas de sommeil dont j'ai besoin, mais de quelqu'un avec qui communiquer. Bonjour, Geralt. Vous me remettez? Pas vraiment. Gaunter de Murray, dit le maître miroir. Nous nous sommes rencontrés à Blanchefleur. Je vous ai aidé à retrouver votre Yennefer. Nous nous retrouvons, et vous avez encore besoin de mon aide. Le gibet vous attend, je crois. Enfin, si ce brouet ne vous tue pas avant. On se rappelle, on l'avait rencontré dans l'auberge au tout début du jeu. Comment êtes-vous entré ici? Ce serait trop long à raconter. Voyons plutôt comment vous sortir de là. Ce sera plus productif. Parce que vous voulez débarquer, n'est-ce pas? Évidemment. Mais comment diable pourriez-vous? Oh, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais vous aider, Geralt. Mais avant toute chose, je veux m'assurer que vous me rendrez l'appareil. C'est d'accord. On n'a jamais rien sans rien. Tout à fait. Et je suis un marchand, après tout. Alors, voulez-vous de mon aide? Oui. Marché conclu. Quand tout sera fini, nous nous retrouverons à minuit au carrefour sous les saules, près du village de Martel. Ah, et je vais vous faire un cadeau, pour que vous ne m'oubliez pas. Qu'est-ce que c'est? Oh, une marque attestant de notre association. Qui tu causes comme ça? Ah, personne. Oh, j'ai jamais aimé les ratios. Ce bruit incessant, ça me retourne l'estomac. Puis on sait jusqu'à l'arrivée. Ce serait le pied. Tempête n'était pas prévue. Ça va entraîner des frais supplémentaires. Conduis-nous à Ophir. Le roi te récompensera, il saura se montrer généreux. Et pour le prisonnier, on doit l'amener devant le roi. J'ai mis mon honneur en jeu dans cette affaire. On pourrait simplement apporter sa tête à notre roi, comme pour l'autre. L'autre s'est noyé. Il ne pouvait rien faire. Celui-ci sera libre. De toute façon, viens voir l'enfer. Quel genre? Le châtiment pour régicide implique goudron, fouet et écartement. Ça va chier. Liberté.
Ah ça. Ok, bon. Ah bah ça va, si tape ses potes. Il repousse les bombes. Ah merde. Ça c'était pas prévu. C'est bon, j'ai esquivé sa merde. Ah. Saloperie de magicien, quoi. Lettre d'un marchand d'Ophir. Werner, Perner ou quel que soit ton nom. Notre scénarissime mâche tutélaire à Ahmad, t'es désigné toi comme notre agent de liaison, ça me dépasse. La prétendue connaissance des lieux, due à ton origine nordienne, ne me convainc aucunement. Puisqu'autant de similitudes il y a entre Aedirne et Redania qu'entre Zerikania et Ophir. Autrement dit, aucune. Mais les désirs de sa gracieuse altesse, aucune discussion ne souffrant. Je t'implore de tâcher de lui livrer ce message. Établis-nous notre campement près d'un village nommé Brunwich. Conformément aux ordres de la cour et de sa gracieuse altesse, les connaissances et les biens de notre contrée nous partageons désormais avec les populaces locales. Leur capacité mentale étant hélas à mes prévisions conformes, je demande à nouveau à pouvoir rallier une communauté plus urbanisée. Donc plus à même d'apprécier notre savoir et notre expérience à leur juste valeur. Sincèrement, Doula Ramani. Je suis même pas sûr que ça se prononce comme ça, mais... On va faire ce qu'on peut, hein. Sabre d'apparat. Toujours plus de trucs à vendre. Ce combat, il est vénère, hein, parce que... On n'a pas souvent l'occasion d'affronter de la magie, en vrai, dans le jeu. Il y en a, hein, mais pas à ce point-là. Et là, je pourrais du coup utiliser carrément... Alors, je pourrais remettre mon stuff, mais en vrai, admettez que... Petite... Oh là là, petite tunique Ophirie, là. Là, on est un petit peu stylé, hein. On peut le dire. On peut le dire, on est stylé. En tout cas, lui, il est bien mort.
cette tenue. C'est Oxenfurt ça, non? Donc on n'est pas parti si loin que ça. Bon, on va quand même, je vais quand même remettre ma mon armure. Par contre, c'est cool qu'ils nous ils nous imposent pas genre non mais en fait la cinématique tu reprends ton stuff et lol comme si genre tu es magiquement rhabillé par le scénario. Ça aurait été un peu dommage. Bon, je vais quand même me faire ces connards. Par principe. Ah! Putain, les noyadés, c'est casse-couilles. Les noyeurs, ça va. Mais les noyadés. Les noyadés, ça fait chier. Et donc, il y a un trésor gardé, mais ça y est, il est gardé par les noyadés en fait, donc c'est bon. Non? Peut-être pas, du coup. Hein. J'ai enfermé à la cave, ok, d'accord. Alors mes frères, suivant les ordres de M, je peux rendre une grappe pour effectuer les fistec. Ah bah c'est lié à ce qu'on avait ça. En SEM. Très bien. Oui, c'est lié à la quête qu'on avait vue au début avec la meuf qui nous dit vas-y mon pote il est mort. Enfin il revient pas donc il est mort. Machin. Ok, bon, allons retrouver Gunther et toucher son tralala. Ou pas. Du coup, voilà, on a une petite marque sur la tronche. Petit tatouage. On le voit pas des masses, là, mais... Et je vous assure qu'on l'a. Au galop, Ablette. Cette marque de ses morts. Et du coup, Blanchefleur, c'est avant même d'arriver dans les premières zones de The Witcher, c'est la toute première zone avec Vesemir. Hein. Celle, on a encore l'armure à la con, l'armure en maille. Avec le premier contrat contre le Griffon et tout ça. C'est vraiment le tout début du jeu. Un champ de tournesol. Bonjour. Gascogne et Victor.
C'est un endroit étrange pour parler d'art. Il n'y a pas de mauvais endroit pour ça. Le tout, c'est d'y trouver l'inspiration. Et la vodka, par exemple, est d'une grande aide. Vous voulez boire avec nous ? À la poésie ? Pourquoi pas ? J'ai une petite soif. Et quand un homme a soif, la mélancolie étrangle son âme. Verse donc, Gascogne. Messieurs, je suis pinté, ivre, bourré et saoul. Tu veux un autre mot pour ton état ? Ne sois pas vulgaire. Que va penser notre nouvel ami ? Sers-nous un autre verre. Bien, mais ce sera la dernière tournée. Vodka s'est envolé avec les troubadours. Et mes affaires. Bordel. Oh putain. Des traces de pas. Toutes fraîches. Je vais tellement les niquer. Je vais tellement vous niquer. Maman, les arbres, ça peut marcher ? Dis pas de bêtises. Bien sûr, maman. Mais moi et Sophie, on en a vu un qui marchait. Et il avait des cornes, comme un cerf. Quoi ? Son visage est doux et mauve. T'en fais pas, Bertrand. On te laissera pas tomber. Hé, messire ! C'est un sorceleur, pas vrai ? Attendez ! T'as perdu la tête ! Tu vas pas mêler un sorceleur à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais vite ! Quel est le problème ? Rien, rien. Poursuivez donc votre route, sorceleur. Ferme-la, Godard. Peut-être qu'il pourrait nous aider. La bande de petites rousses veut attaquer le village pour se venger de Bertram. On n'est pas bien riche, mais on vous paiera si vous nous aidez. Qui est, petite rousse ? On raconte qu'elle fornique avec les loups et qu'elle peut démembrer un homme à main nue. Elle a la beauté du diable. C'est une bête dans une peau de femme. Elle règne sur une meute de déserteurs, la racaille de toutes les armées. Le genre qui aime le meurtre et le pillage. Pourquoi ces bandits veulent-ils se venger de vous ? C'est ma faute. Je les ai dénoncés aux chasseurs de sorcières. Bah super. Et quand les chasseurs de sorcières s'intéressent-ils aux bandits ? Titrousse et sa bande terrorisaient notre village. Alors Bertram est allé voir les chasseurs pour leur demander de nous défendre. Pendant un temps, Titrousse et ses hommes nous ont fichu la paix, mais... maintenant, elle a eu vent de tout ça et elle veut tuer Bertram. Sans vous, son compte est bon. D'accord. Je vais m'occuper des bandits. Rentrez chez vous, barricadez vos portes. Soyez prudents, sorceleurs. Ils sont plutôt dangereux, ces types. Ouais, on verra plus tard. Hein. Le bailli est sévère, vaut mieux pas faire de bravise à l'auberge. Fantôme des rayons, ok. Vous savez ce qui rime avec sorceleur en colère ? Mes affaires. Avant que je vous découpe en tranches. Plutôt pauvre comme rime. Ferme-la et rends-lui tout. Voilà. Donc, nous sommes quittes. Tout est réglé. Pas tout à fait. Nous serons quittes quand vous m'aurez donné vos affaires. Toutes nos affaires ? Vous pouvez garder votre culotte. Chais. Voilà. Comment vont les affaires ? Bah ça va. Moi les miennes ça va. Bon à minuit d'accord. Est-ce que j'ai le temps du coup de faire petite rousse là ? Oui. Petite rousse. Ah c'est niveau 15. Oh là là.
Je vais les défoncer du coup. Une quête qu'on a ratée, ça, c'est dommage. Ah, c'est pas le crépuscule, ça? Ah putain. Pour moi, à partir du moment où le ciel est rouge, crépuscule ou un incendie. Hein. Sorceleur. Les villageois t'ont engagé? En effet, pour les défendre contre un monstre à visage humain. C'est donc ainsi que tu me vois. Ai-je raison? Viens vérifier toi-même, si tu l'oses. Ou livre-moi Bertram et tout ira bien. Pourquoi en voulez-vous autant à Bertram? J'imagine qu'il ne s'est pas vanté de ses exploits. Il est venu me trouver il y a 6 mois. Il m'a proposé de trahir les siens, en échange d'une part du butin, bien sûr. Au bout d'un moment, il est devenu gourmand. Et quand je l'ai envoyé paître, il a envoyé les chasseurs de sorcières sur nous. J'ai perdu la moitié de mes hommes à cause de lui. Alors te mêle pas de ça, sorceleur. C'est Bertram qu'on veut, personne d'autre. Tu as ma parole. Je ne m'opposerai pas à vous. Faites ce que vous avez à faire. Sage décision, sorceleur. Tu vois, c'était pas bien compliqué. Tiens, voilà pour toi. Allez les gars, on y va. Bah ouais, non mais les traîtres. Bon, minuit. Minuit chrétien, tout ça. Non mais il a mérité. Calmez-vous, il a mérité. Je vous entends râler. Mais moi je trouve qu'il a mérité. Je savais que vous viendriez. Vous êtes devin. Peu importe qui je suis. J'ai permis votre évasion. Et vous avez retrouvé Yennefer grâce à moi. Vous vous sentez donc redevable. Votre souvenir ne me le rappelle que trop bien. C'est le but recherché. Oh, soit dit en passant, je trouve amusant que même les pires crapules se sentent obligés de s'acquitter de leur dette de reconnaissance. Humains, elfes, nains, toutes les races. Un jour, il faudra m'expliquer ça. Mais revenons à nos moutons. Comment vous en êtes-vous sorti avec les Ophiris? Vous avez surgi de nulle part, disparu aussi mystérieusement et invoqué une tempête. Vous êtes mage? Non, voyons. Je ne supporte pas les sorts. Ces tours d'enfants sont sans intérêt. Ce qui me fascine, ce sont les histoires vraies. La vie des humains. Comme celle que je vais vous raconter. Elle parle d'un homme de la pire espèce. Un homme méprisable au cœur de pierre. Un homme qui refuse de payer ses dettes. Et en quoi ça pourrait m'intéresser ? Je peux savoir. Il vous a aussi causé du tort. Il s'appelle Holger de Von Evreck. Que vous a-t-il fait? Avant de vous le révéler, je tiens à clarifier une chose. Holger de Von Evreck a conspiré sciemment pour vous faire tuer involontairement un homme qui aurait pu être soigné. Sans mon intervention, cela vous aurait coûté votre tête.
Savez-vous pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un monstre dégénéré qui, sous une apparence humaine, se nourrit de la souffrance des autres. Manifestement, vous ne l'aimez pas. Que vous a-t-il fait? Lui et moi avons conclu un pacte, et j'ai dû faire appel à tous mes talents et à mes associés pour lui obtenir ce qu'il désirait. À présent, il est temps pour lui de payer, mais il se dérobe à ses obligations. Je devrais recouvrer une dette. Je ne suis pas un vulgaire mercenaire. Il n'est pas question de ça. Il me faut quelqu'un d'intelligent. Un individu n'ayant pas peur des défis. Quelqu'un comme vous. Ce n'est que de la flatterie. Évidemment. Après tout, je suis un marchand itinérant. Mais ne vous y trompez pas, je propose un tas de choses intéressantes. De quel genre? Tout pour satisfaire le corps et l'âme. Vous n'aurez ni faim ni soif. Et un sorceleur doit désirer des armes puissantes. Je peux vous offrir celle de vos rêves. Et aussi un corps plus agile que jamais. Un esprit vif comme l'éclair. Un charme irrésistible avec les femmes. Mais je propose surtout une grande aventure. Une expérience inégalée. Le destin des seuls élus. Ça paraît très généreux. Et tout ça contre un petit coup de main. Vous ne me demanderez rien d'autre. Si. De l'honnêteté. Qu'avez-vous fait pour Holgerd? Vous l'avez aussi fait évader? D'une certaine façon, oui. Je me rappelle très bien ce jour. Il y avait une petite bruine, mais le froid vous transperçait. Holgerd est apparu à l'aube, maigre comme un clou, avec une chemise miteuse. Et l'épée qui lui battait le flanc semblait être son seul bien. Il faisait peine à voir. Il m'a demandé de l'aide et je la lui ai apportée. Je lui ai donné la richesse, le succès et l'estime. Il me doit d'être ce qu'il est aujourd'hui. Pourtant, il m'a ensuite tourné le dos. Il m'envoie paître quand je réclame mon dû. Un jour, il a même lâché ses chiens sur moi. Je me vois donc contraint de faire jouer les conditions de notre pacte. Et c'est là que vous intervenez. Combien vous doit-il ? Les gentilshommes ne parlent pas d'argent. Je dois connaître les détails si vous voulez que je me salisse les mains. Combien ? 1 million de couronnes ? 2 ? Je n'ai rien d'un vulgaire usurier, voyons. Mais ce qu'Holgerd me doit est bien plus personnel que de l'argent clinquant. À mon grand regret, je ne puis en dire plus. Je dois respecter sa vie privée. Et vous? Vous prétendez avoir de nombreux talents. Vous ne pouvez pas vous en occuper? Voilà le problème. Notre pacte stipule que pour obtenir mon dû, je dois d'abord exaucer 3 souhaits de Von Evrek. Cependant, je ne dois pas les exaucer moi-même, mais faire appel plutôt à... comment dire... un intermédiaire. En fait, il vous faut une bonne poire. Oh, plutôt un allié. Et j'ai dans l'idée que je n'en trouverai pas de meilleur que vous. Qu'attendez-vous de moi? Pour commencer, rendons visite ensemble à Von Evrek. Ensuite, eh bien, nous improviserons. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les 3 pour nous remercier de ce voyage. Bon, passons aux choses sérieuses. Je croyais qu'Holgerd avait droit à 3 souhaits, ou vœux. C'est le cas. Il peut nous demander 3 choses, mais il faut le voir pour savoir de quoi il s'agit. Très bien. D'accord. J'irai voir Holgerd avec vous, mais je ne vous promets rien. Je n'en demande pas plus. À présent, effacez cette foutue marque. Naturellement. Dès que vous aurez accompli votre tâche. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Je vous rejoindrai là-bas, j'ai une affaire à régler en chemin. Une autre dette à recouvrer?
possible. D'accord. Très très bien. Et ben on va se quitter là les gens. Des bisous.